Et re YouTube, bonjour, sixième partie de The Witcher 3, tout de suite avec une course avec Ciri qui fait la course contre le baron. Donc on va regarder ce que ça donne tout de suite. Allez, on se planche dans le machin. C'est parti, salut Grud. Salut Grud la belle. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ce cheval, oui ou non? Oui, j'avais le même autrefois. Ah, j'ai fait des queues de poisson. Ce sera pas aujourd'hui. J'ai des queues de poisson. Ah oui, l'endurance du cheval, faut que je surveille. Vous voulez ce cheval, oui ou non? Oui, j'avais le même autrefois. Bébé, bébé. Ah bah oui, mais bah non, mais j'ai pris trop de retard là. Allez, petite. Ah merde, non, je l'ai eu. J'ai pas eu. Échec de la quête. D'un cheveu. Vous avez vu ça? Ne m'enterrez pas trop vite. J'avais pas vu que l'arrivée était aussi proche. Assez parlé. J'ai mal géré le... Vous pouvez dire adieu à votre épée. J'attends ma récompense. J'ai mal géré l'endurance du cheval. Ouais, contrôle toujours un peu le chien. Waouh! Ah oui, le griffon. Il n'est peut-être pas perdu. Non, c'est pas un griffon, c'est un griffon ça. Elle hurlait comme une démente. En un instant. Ça n'a rien à voir avec le poids, hein, c'est le cheval qui fait tout. Elle s'est mise à courir pour sauver sa peau. Fut sur un jockey, ou quoi. Le Et ça a donné quoi? Ah, si, ça a à voir avec le poids. Certains s'en sont tirés. D'autres c'est un jeu, hein. Chance. Mais ce qui s'est passé, alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cette air-là. C'était donc pas un griffon, c'est quoi? Vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Oh, ici, quand même, un peu. Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Ah, si on joue au Gwent. C'est pour bien démarrer cette VOD. Hein, puisqu'on vient de subir un échec cuisant. À la course. Vous savez jouer au Gwent? Non seulement je sais y jouer, mais je gagne la plupart du temps. On va voir si on peut se rattraper sur le jeu de cartes. C'est où? Si vous parvenez à me battre, je vous donnerai l'une de mes cartes uniques. Ah. Motivant, non? Vas-y, motivant, hein. Allez, jouons. Vite fait. Hein. Abattons quelques cartes. Et oui, donc je disais Grud, ouais, toujours un peu rigide, hein, les commandes, ouais. Confirme. Ah, ça c'est bien, ça c'est quoi ça? Le leurre, il sert à quoi? Changer cette carte avec une carte jouée pour... On la reprendre dans votre main. Ok. On va dire que c'est bien, hein. On va dire que c'est bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Commencez la partie, oui. Elle commence, ouais. Je commence. Ah, c'est moi qui commence, bon. Je commence avec. Ah merde, je suis là. Mais c'est une carte à retirer. Ah, mais il faut que je retire les cartes. Alors attends. Je vais retirer ça. C'est pourri. Retirer froid mordant. J'en ai une autre. À début de la manche. Alors, voyons. Est-ce que j'ai de la chance au tirage? Ah, c'est moi qui commence. J'aime pas commencer. C'est chiant. Je commence petit. Avec Sabrina. Hein? Et là, s'il me contre avec Samantha, on aura tout vu. On se calme. Ok. Je vais mettre ça en plus. Ah, salopard. Salopard. Je sais pas si ça va suffire, ça. Ah bah non, mais oui, mais il est chiant, hein. Il est chiant. Oh, waouh. Ah ouais. Bon, je vais crever. Merde.
C'est pas ça en plus pour le... Non, ça c'est pour les fantassins, ça. Hein. Ah merde, bon bah là je vais mourir là. Je vais mourir ici, je vais passer mon tour. Je prendrai l'autre manche, pas grave. Ah mais qu'est-ce que c'est pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Le nord, ça tire une carte supplémentaire. Ouais. Vache! Ah mais c'est chaud là, je suis obligé de tout mettre là, je suis obligé de tout miser là. T'inquiète pas, Mr. Sugabs, non, mais t'inquiète pas. Faut t'emmerder avec ça. C'est quoi ça? Placez la carte dans le camp de votre adversaire, l'augmentation totale, et tirez deux cartes de votre jeu. Je vais lui mettre une carte pourrie alors. Je mets Sabrina, Sabrina elle est chiante. Ah, mais non, c'était pour moi! Bien compris. Adversaire a passé. J'ai gagné. Ah, j'ai gagné la manche. Ça reviendra, Mr. Zugames, t'inquiète, c'est pas grave. Mais là, là, c'est bien, c'est le principal. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer, lui? Putain, il joue encore des trucs bien, hein. Ça. Il joue des trucs bien. Ah, il a encore beaucoup de cartes, hein, par rapport à moi. Oh, salaud. Non, si, c'est bon, on est égalité, là. Je vais jouer mon chef là, il faut que je joue. Utiliser une carte chef. Hop. Carte brouillard impénétrable. Ah bah oui, c'est bien ça. Parfait. Ouais, sois pas ridicule. Alors qu'est-ce qu'il va jouer là? Ah mais il a une carte de plus, hein, ça c'est chiant. Hein. Ouais mais ça c'est pourri. Regarde, il est ridicule, il est ridicule. Je garde le gel aussi. Bah 15, 12, oh là là c'est chiant. Salut Stella, bonjour. Je vais tenter ça. Ça ne change pas grand chose. Je suis toujours devant. C'est quoi t'as brûlé? Ça à quoi? Ah ouais, quand même! Ah ouais, moi je suis mort, hein, je suis mort. Ah salaud! Je peux pas le prendre celle-là, non? Je peux pas prendre d'autres cartes là? Bordel de chiasse! Ah mais il a des cartes que je connaissais pas, c'est dégueulasse! Ah ouais, non mais ça changera rien! Il va avoir un de plus que moi! Ah ouais, ça va faire 4-2, non, bah il aura toujours 2 plus que moi, c'est nul. Et puis là, si je libère le truc, ça fait quoi? Non mais il aura toujours plus, il aura toujours plus. Ah ouais, bah je suis baisé, hein. Ah 10-20, regarde. Ah il va passer son tour, évidemment. Sauf s'il est con et qu'il joue une carte au milieu, non? Il a remporté la manche, forcément. Ah là là, bah ouais, mais c'est, ouais, avec le deck pourri que j'ai de base, je ne pouvais pas gagner. Vous êtes pas mauvais, mais vous avez encore des progrès à faire. Bon, on repassera à l'occasion, hein. On va aller se concentrer sur la suite. Ah là là, quel dommage. Quel dommage, mais j'apprends petit à petit. Hein. J'aime bien moi ce jeu de Gwent là, les jeux de cartes. Gwent, pardon. Gwent ou Gwent? Pas toujours évident, non mais j'ai des cartes pourries en plus, hein, c'est chiant. J'ai les cartes de base quoi. Je crois que j'ai chopé la gale. Ah bah merci de partager cette information. J'ai chopé la gale, fou. Eh, hey, toi. Et c'est Un instant, sorceleur. Sorceleur. Quand vous trouverez ma fille, voulez-vous lui donner ceci? Une poupée?
poupée de chiffon. Ok. Super. Alors là, c'est assez loin, hein, là où on doit aller, c'est très très loin même. Alors ça, j'ai pas compris, ça j'ai utilisé ça. Sale gueule de crée, il me dit vos objets ont été améliorés. Ah mais c'est temporaire, ah, il y a un compteur. Par contre, si je veux voir... Ah, je peux utiliser ça aussi. Voyons. Objet amélioré. Et là, il y a un mec... Non, c'est ça en fait. Là, il y a un mec qui vend des trucs. Très précis, hein, ce que je raconte. Il y a un mec qui vend des trucs. En quoi puis-je vous aider ? Je voudrais... Une partie de Gwent, non. Je cherche un armurier, voilà. Je cherche quelqu'un capable de me forger une armure de qualité supérieure. Ah. Vous avez frappé à la bonne porte. Je suis armurier depuis 20 ans. Je crois pouvoir dire que je maîtrise le sujet. Dans tes rêves. Ouais. Ne faites pas attention à elle. Elle passe son temps à râler et à grogner. Elle ou lui? Quel genre d'armure vous faut-il? Une armure légère mais solide. Ouais. Je veux rester libre de mes mouvements. Et pouvoir la passer sans l'aide de personne. Quoi? C'est tout? Vous ne voulez pas qu'elle se nettoie toute seule et qu'elle vous torche le cul tant que vous y êtes. Enfin. Ah, ça, ce serait parfait. Vous pouvez m'en forger une? Non, et si quelqu'un en est capable, je vais bien le rencontrer. Une armure. Écoutez, qui me torche le cul. Vous devez comprendre une chose. Si une armure est solide, elle ne peut pas être légère. Ah bon? Si, c'est possible. Il suffit d'avoir les bons outils. Des outils comme ceux du clan Tordar Ordunvik, par exemple. Johanna, je t'ai déjà dit de te taire pendant que je discute avec les clients. Si tu crois que les légendes de Skellig intéressent les gens... Ça m'intéresse, oui. C'est pas des légendes. Mon grand-père allait sur Undvik acheter des armures au clan Tordar Or. On ne fait pas mieux. Ou on ne faisait pas mieux, plutôt. Un géant a ravagé leur terre l'an passé et tous les habitants ont pris la fuite. Mais la forge devrait toujours être là. Ok. J'y vais. Ça vaut le coup d'essayer. Si je vous rapporte les outils, vous me forgerez mon armure? Oui. Si vous me rapportez les outils, oui. Pas avant. Bah oui, t'as pas les outils. Votre grand-père ne vous a jamais dit où trouver la forge, par hasard? Si. Au nord de l'île, dans une caverne creusée à flanc de falaise. Ah. Ok. Je vais essayer la prochaine fois que j'irai à Skellig. Au revoir. Ah oui, il y a un petit crâne. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Oh putain. Attends, je vais méditer. Petite heure. Important. Ah, c'est très important. Tout va bien. Hé les gars, si on allait s'occuper de cette bestiole. C'est lui qui... Non, c'est lui. Qui vend. Voilà, intendant. Un petit coup d'œil à nos articles. Oui, s'il te plaît. Jouons au Gwent, non. Qu'avez-vous à vendre? Montrez-moi ce que vous avez. Alors, je veux vendre. Là, voilà, ça. La masse. Massue. Ça coûte 3, putain, c'est nul. Ah, il y a des gants aussi. Je peux... Ah, ceux-là, ils sont mieux. Hop. Je vais les équiper, ceux-là. Ah, c'est quoi, ça? Jacques de Kaiden, plus 14. Plus 14 en armure. C'est bien, ça, non? Ah, attends, qu'est-ce qu'il vend? Troisième carte, donner un kermit et autre, ouais, je prends. Je sais pas pourquoi je prends, j'ai envie de prendre. Je prends les cartes aussi, j'aime bien, je sais, c'est pas, peut-être pas important, mais j'aime bien. Adieu. J'aime beaucoup les cartes, j'aime collectionner, j'aime faire les choses à ma façon. Alors ça... Hop, voilà, c'est mieux, c'est bien. Ça, pantalon de chasse, je prends. Bah oui, c'est mieux. Bien sûr. Ça, prends également. Formidable. Alors, c'est sale, hein. Esthétiquement parlé, c'est très sale. Mais, meilleure réparation. Alors, d'ailleurs, comment je fais pour réparer, là? C'est ça, hein, c'est les kits que je utilisais, 63. Ah, j'ai plus de kits. J'ai plus dû acheter des kits ou pas, lui? Ah non, c'est pourri. Je peux mettre un truc là sur l'armure. Non, je peux pas, j'ai pas de truc d'armure. Ok.
on est pas mal, on est pas mal. Du coup, là, la quête niveau 24, c'est mort. Gwyn, non, ça c'est les quêtes secondaires. Donc, c'est la quête principale. Tac, affaire de famille, on continue ça. À Oxenfurt ? Ja. Oxenfurt ? Trouvez la sorcière par vos propres moyens ou demandez aux habitants de Aubreuil où elle réside. On verra après ça, on verra après. Après. Je continue cette quête là, moi. Ouais. Et alors ? Ça. Combattre le mal par le mal. Les objets ont été améliorés, mais je peux pas les réparer. Je peux pas réparer des objets. Et lui, il a pas des trucs à vendre pour réparer justement. Voyons. Un vrai tombeur. Un petit coup d'œil à notre. Montrez-moi. Est-ce que t'as des trucs à vendre que je pourrais acheter pour réparer ? Non, y a pas ? Merde, comment je fais pour réparer les bras ? C'est rigolo ça, mais bon, tu peux pas réparer. Type de réparation. Terme. Artisanat, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Là, je peux le revendre ou pas? Parce qu'ils mettent. Vous pouvez le vendre à des marchands ou le faire démonter. Le faire démonter pour obtenir des marchands. Pour l'instant, je vends. Hein. C'est le début donc. Je sais même pas comment on fait pour démonter. Voilà. 804. Pas le faire chez le forgeron? Bah, je sais pas. Je sais pas. Je vais regarder. Après, je joue au Gwyn contre lui. Adieu. Ouais, adieu. Le forgeron, c'est le petit, hein. C'est le. La petite personne qui est ici. En quoi puis-je vous. J'ai besoin d'une armure, non? Qu'avez-vous à vendre? Ouais. Je jetterai bien un coup d'œil. Alors, qu'avez-vous à vendre? Kit de réparation, regarde, voilà. Amateur. Tiens, c'est quoi ça? Non, moins 28, c'est pourri. Plus 2, c'est bien. Ça vaut le coup 99, non, ça vaut pas le coup. Par contre, ça, je vais prendre. Hop, j'en prends 3. C'est quoi? J'ai ma botte de cavalerie. Ouais. Jaquette d'archer. Botte de chasse. Pas mal, ça, non? Quoi? Gambisson de Skellige. Skellige? Bon, on verra plus tard. Là, on n'est pas trop mal, je pense. Ah non, mais c'est pour les armures, ça. Pas un truc pour réparer les armes. Artisanat. Réparer. Ah voilà, c'est là. Je peux réparer ça, par exemple. Ça me coûte 32. Oui. Hop, 69. Ah non, c'est bon, c'est réparé à fond. Ça, je répare aussi. Allez, hop. Je répare tout. Et ça, c'est. Ah, mais c'est équipé, c'est là que je voulais faire. Mais tiens, je suis trop con. Oh là là. C'est là qu'il fallait que je fasse. C'est pas grave, j'avais de l'argent. Hein. Ah, je peux retirer une amélioration, yes! Oui, je sais, merci, c'est bon, j'ai vu. Oui, blablabla. Elles seront détruites. Ouais, mais c'est pourri ça, la densité des signes 2%, c'est nul. Je retire. Voilà. Ah, c'est là que je pouvais démonter. Ah, damn! Cuir, huile, poudre de perles, ah, c'est ça en fait. Minerai de météorite. Ah ouais, c'est là que je peux démonter les trucs. Bon, ok, super. Poudre à poussière imprégnée, ouais, ça. Petit d'armurier, ouais, machin, d'accord. Commerce. C'est pour acheter, vendre, ok. Attends, il a pas des médaillons là. C'est quoi ça? C'est quoi? Créer des objets. Ok, salut CR3, coucou. Armure de platin. Ça coûte cher. Ouh là là, oh, ça coûte cher. Au nom de Zeus. Alors, j'ai pas des trucs. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? Il est malade. Je peux rien faire là. Hein. Ça, non, il me manque des choses. Il me manque beaucoup de choses. Il me manque beaucoup de choses. Pantalon de chasse, on s'en fout.
Ah, ça va, puis toi, mon CR3, nickel. Hop, tac, ok. Donc je découvre un petit peu ce menu là. Hein. Ah, c'est bien, ça a réparé, on a fait. Retirer amélioration, c'est fait. Du coup, je lui redis adieu. Bon, on va faire une petite partie de Gwent après. Mais juste, je vais regarder si je peux rééquiper mon arme. Ah, mais non, je l'utilise pas, donc ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. 2%, 2%, 3%. Ouais, ça sert à rien. Épée de Vicovaro là. Objet magique. Ah, mais elle est pourrie en fait. Elle est pourrie. Elle est pourrie. Nos hommes étaient en colère, ils voulaient les chasser. Alors, bah, peut-être une petite partie aider. De Gwent. Avec monsieur petite taille là. Personne de taille ridicule. C'est un sketch, hein. C'est pas moi. La mise, 10, allez. Je meurs d'envie de jouer au Gwent. C'est surtout pour jouer, hein. On s'en fout un peu des mises. Pop. Non, bah c'est bon là, hein. Allez, commencez la partie. Il utilise davantage de factions sociales. Ouais. J'ai essayé deux cartes à retirer. Bah, toi. Bon. Mais non! Pourquoi? Il me l'a pris, il est con. C'est pas grave. Ah, oh bah c'est pourri ça! C'est pourri. Ah, qu'est-ce que c'est encore? C'est un message privé ridicule pour la publicité. Bloqué, dira H1ZA. Bloqué. Bloqué. Non mais pas banni pendant 3 secondes, banni plus que ça, ban complet. Ban permanent, voilà, merci. Voilà, super. Pardon, excusez-moi, hein, y a un petit robot qui me fait chier là. Alors monsieur, que se passe-t-il? On va faire ça, tiens. Combien de cartes météo j'en ai? Bah j'en ai 4. Enfin, là, sur après, au total, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Voilà, je vais te dire. Aucune idée, mon pote. 5, 8, si je fais ça, non, je vais garder un de chaque. Ça ferait 11, c'est pas mal. 5, oh là. Ah ouais, chaud le gars. Yeah, come on. Voilà, t'es mort, mec. T'es mort. Hop, allez, bim. Ça calme, ça, hein. Bah non, mais c'est bon, en fait. Ouais, mais j'ai... Oui, ça. J'ai trop de cartes météo en fait. Salut Gail, coucou, comment ça va? Non, mais là je fais que les trucs de base hein, pour l'instant Macbeth, hein. Je me suis pas encore penché vraiment sur la question. Mais... là c'est j'y vais à la one again. Hein. Je regarde ce que ça donne quoi. Là j'hésite du coup, j'hésite, ça servira à rien. Je vais passer, c'est le tour. Voilà. Ah, 18 partout. Ah, il en ajoute un, mais super, mais il a moins de cartes. Il a remporté la manche, mais il a plus que 3 cartes. Bon, moi j'ai plus que 2 qui servent, mais... À toute idée. Adversaire à passer. À moi. Voilà, je te dis, il a passé. En fait, il a plus que des cartes de météo aussi. Non, il a remporté la manche. Début de la manche. Ah, nice. À moi. C'est quoi ça? C'est
je dois faire? Pourquoi je fais ça? Ah, je vais prendre lui. Costaud lui. À l'adversaire. Il va passer son tour. Regardez. Ah non, il met quoi? C'est quoi ça? Ouais, mais ça sert à rien, c'est pourri. C'est con. On s'en fout, tu perds. Bah, j'en ai rien, j'en mets une deuxième. T'as vu, ça sert à rien, mais je m'en fous. Mais quand même. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il se sent obligé de jouer alors que ça sert à rien. Ouais, non, il a plus qu'une carte. Qu'est-ce que c'est la dernière carte? On rigole un peu. Il a passé le tour. Oh, quel dommage, Madame Chombier. Alors pour le fun, je vais quand même te mettre une petite misère en mettant celui-là. Allez. Moi, monsieur, ça sert pas grand-chose, mais je le fais quand même. Ah bah j'ai gagné. Victoire. Encore une victoire de canard. Donc j'ai reçu des couronnes. Alors, c'est bien, mais c'est pas top. Donc je vais affronter cette personne maintenant. Tu parles de la fille du forgeron ? Un petit coup d'œil à nos articles. Misé, pareil, hein, 10 couronnes. Je ne dirais pas non à une petite... Là, qui se prend pour un héros. Alors, collection de cartes, tac, tac. Alors, oui. N'en fais pas, mets-les toutes. Voilà. Ça, faut que je la vire. Ou j'en vire, j'en ai trop. Mais non, mais ça, je crois que c'était mon deck. Des cartes, collection de cartes, cartes du jeu. Cartes du jeu, c'est ça. J'ai ça dans les cartes du jeu. C'est bon, en fait, j'ai... Ah non, x2, c'est x2, ok. Ah ouais, x2. J'en prenne un peu moins, alors. Hein? Quoique. Non, mais si, c'est bon, là, c'est bon. Allez, je commence. On verra bien. Et du coup, j'ai moins de chances de tomber dessus. Choisissez une carte à retirer. À retirer, hein. Je vais virer. Je vais virer le nain là. Hop, ah bah voilà, super, nickel. Et une deuxième, ah une deuxième, merde. Attends, c'est quoi que j'ai en plus? C'est les archers? Non, c'est les fantassins que j'ai en plus, donc. Ça ne marche pas, donc je vais virer ça. Alors, voyons un petit peu comment ça se passe. Alors le monsieur il fait ça. Et bah le monsieur il va faire ça. Il va pas. Le monsieur il fait ça. C'est bien. À moi. Hop. Voilà, le monsieur il fait ça. C'est moi le monsieur. Le monsieur il fait ça. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bordel. Pas compris là. Il a 9 cartes. Il gagne une carte en plus. Pourquoi il me l'a ajouté à moi? J'ai pas compris. C'est qui a fait ça? C'est moi qui ai fait ça? Je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ah, il gagne une carte. Ah oui, d'accord. Ah, mais faut que j'arrête de jouer alors. Mais putain, je suis con. Mais oui. Forcément, faut que j'arrête de jouer. Non? Ah, bah non, il joue aussi. Oh, salaud. Oh, salaud. C'est incroyable cette histoire. Mais ce type est fou. À l'adversaire, bah vas-y, fais le rigolo là. Fais le rigolo, ça part. Il a passé. Il a passé. Oh le con, il a passé. Attends, je vais mettre une petite là. Salut Olivier, coucou. Comment ça va? Il a passé, donc là je gagne. Là je gagne cette manche, ok. Donc là la dernière, j'ai 5 cartes, il en a 7. Bon. Merde. Ah, j'ai gagné une carte. Ah, qui est pourrie, mais bon, c'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. À moi. J'aime bien les jeux de cartes en fait, c'est sympa.
5, ouais, ouais, c'est bien ça. À moi, à nous. Si je faisais un truc comme ça, ça servirait à rien. Je vais attendre un peu, je vais mettre ça. Hop. Qu'est-ce que c'est ? On va faire quoi là ? Je fais une carte en plus ? Tu tires ou tu pointes ? Pardon, je trouve ça très drôle. Quoi ça ? T'es là, mon salaud, mais je t'aime bien. Placez la carte dans le camp, adversaire l'augmentation totale et tirez deux cartes de votre jeu. Allez, je tente ça. Ah, nice! Cool. C'est l'espion. À moi. Regarde, c'est bien ce que je fais là, non? Regarde, je vais essayer de le leurrer. Hop là, nickel! Je repasse devant. Il va utiliser la météo, c'est sûr! Il n'y a plus que deux cartes. Je m'en fous. Je suis un malade mental, moi. À moi. Il n'y a plus qu'une carte. Ah, il y a deux cartes. Ah, merde. Ah, shit. Fuck. Bah non, c'est bon. C'est bon, ça. Attends, faut pas déconner. Allez, on y croit tous. Ah mais je gagne. Espèce de petit merdeux. Je gagne, allez, hop, t'es nul, laisse-moi faire. Laisse faire les professionnels, allez. Je reçois 20 couronnes. Formidable. Incroyable. Quel talent. C'est le tout de beauté. Alors, on va peut-être s'attarder à jouer un petit peu hein, le vrai jeu. Autant, j'aime bien le jeu de cartes, autant il serait temps de se faire autre chose. Alors, on va reprendre la quête. Hein. Petite interlude terminée. Disons, c'est hyper loin. Hein. C'est hyper loin. Je peux me téléporter ici, c'est au plus près, ça. Ouais, c'est bien. Ok, donc on va aller à Oxenfurt. Nous allons à Oxenfurt. Yo. Oxenfurt. Yo. Écoute, moi, j'aime bien aussi ce jeu de cartes. Mais je trouve ça sympatoche. Attends, faut que je ressorte de là. Hein. Ouais. Il y a un cimetière elfe dans les grottes près de... Si j'envoyais mon... Ça fait mal. Il y a beaucoup de ces bêtes que vous avez... Ah, je croyais qu'il parlait d'un cimetière elfe. J'ai rêvé. C'est juste une info au passage, vous déboîtez, hein, visiblement. Ah, du coup, Little Breastman, salut. C'est un bon boulot que mon mari a trouvé, hein. Il y a pire. Ouais. Hier, il a rapporté un sort du cuchon. Bon, normalement, il y a moins de tearing sur l'image, hein. Pour ceux qui sont spécialistes du tearing, là, du déchirement d'image. Regardez quand je déplace la caméra là. Il y a vachement moins de tearing. Non, vous trouvez pas? Et moi j'ai beaucoup moins déchiré. Vous trouvez pas? Ils s'en fait défoncer. La terrine. La terrine. Ça te surprend? Du déchirement. Terre. Tourne. Verbe irrégulier. J'ai activé en fait la triple mise en mémoire tampon de ma carte graphique. Du coup, ça aide. C'est-à-dire qu'il faut attendre que les frames soient complètes avant d'être envoyées. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de déchirement. C'est logique, hein. Et du coup, voilà, c'est vachement plus. Bon, il y en a encore un petit chien, j'ai l'impression, je sais pas, c'est bizarre. C'est vachement plus propre. J'ai essayé sur Wolfenstein Youngblood aussi, c'était très efficace. Là, ou pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi ce bordel? C'est un chien? À gauche. Ah mais range ton épée, bordel. Pourquoi il me fait passer là d'ailleurs? Une goule! Oh, une goule! C'est pourri une goule, non? Mais range ton épée, putain, c'est pas possible. Oh, la
charmant la déco là. Dis donc. Ralentissons l'allure. Pourquoi j'ai plus de GPS là? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Ah, mais je suis sur le bon chemin là. C'est bon ça. Par contre, j'ai plus de GPS. Arrête. Ouais, bah barrez-vous. Là. Faut que ça ferme. Voilà, merci. Ouais, qui veut? Ouais. Oh, tout doux. Non, mais même là, j'ai plus. Lunaire, Ablette. Lunaire, paupiette. Droit. Allez, barrez-vous, con de mime. Allez, restez pas là, bordel. Ah oui, mais mieux, faut pas. Je t'ai dit de pas rester là. Vous avez un laissé passer? T'as pas besoin de... Ralentissons la lune. Oxenfurt, ya yeah. Oxenfurt, furt. En train de tréma. Oum la route. Halt. On ne passe pas. Pourquoi pas? Une épidémie de peste a éclaté en ville? La peste? Non. Nos ordres sont d'empêcher quiconque d'entrer en ville. Sauf présentation d'un permis. Ah mais j'ai un sauf-conduit. C'est de ça dont vous parliez? Et laissez-moi voir ça de plus près. Il est beau, hein? Regardez les textures de l'armure. Il manque un sceau, le rouge. C'est pas vrai. Le département de la défense civile, ils l'ont encore oublié. Ils sont sacrément négligents en ce moment. Enfin, ça arrive. Ouais, vous pouvez oh, passer. C'est bon, il m'a fait peur. Tout va bien. Je peux passer. Allez, il vient le cheval ou pas là? Des types comme vous, ça répand le défaitisme. Ouais. Allez, viens ici, paupiette. Allez. Non, c'était pas un faux, non, non, c'est le baron qui était pas au. Le retour par était pas à jour, hein, oui. Ouais, longue vie, blabla. Tout ce qui est administratif. Des types comme vous, ça répand le défaitisme. Oh ah, hey. Vous, quand le mime. Ah, excusez-moi. Un photome, non, je suis une copie, je suis un clone de moi-même. La bouche qui pète. Pardon. Et non, il y a beaucoup d'hommes en rouge là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que c'est la couleur de la ville. Hein. Le rouge. Je crois. Bim, hein. Dégage. Excusez-moi. Horizon Zero Dawn. Ah bon, je sais pas, on verra. Oula, oula, là, les rouges. Attends, c'est par là. It is here, it is here. Got this. Qu'est-ce que ce sera mon cas? Voilà. C'est... Ah mais c'est pas là. Du papier, s'il vous plaît. Et une bouteille d'eau. À moi. À moi. Du papier, je n'en ai pas. Non, moi. Malheureusement. L'armée a tout réquisitionné pour l'effort de guerre. C'est elle? Mais non, c'est pas elle. Papier pour suis-je l'effort de guerre. Vous savez, les ordres, les interdictions, la propagande, la propagande support. La montre arrête de monter sur les établis, enfin. Qu'est-ce que c'est? Ouais, le gameplay est quand même hyper rigide, hein, pardon. Je le redis. Quand le jeu est très très bon, ah, c'était là, j'en étais sûr. Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie? Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous? Pokémon? Mais j'ai pas de Switch. Un instant, je vais la chercher. Ah bah Horizon Zero Dawn, je sais pas, un jour... Il y aura rien à faire. Je sais pas quand. Oh, c'est quoi, hein. Qu'est-ce que c'est que cette fourrure? Vous me cherchez? À qui ai-je l'honneur? Est-ce mon père qui vous envoie? Oui, pour savoir si vous êtes en vie. Et comment vous allez. Donne-lui la poupée, Gérald la poupée, de Rive. La poupée. Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Maintenant que vous m'avez vu, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer. Votre père est un homme détestable. Vous êtes fâché et aigri. C'est normal. Dans ce cas, pourquoi l'aider? Pourquoi accepter ce travail? Il sait quelque chose au sujet d'un être qui m'est cher. Il a promis de me le dire si je vous trouvais, vous et votre mère. Tout s'explique. Le chantage, tout à fait son style. C'est pas produit. Eh bien, vous m'avez trouvé.
Dites-lui que je suis vivante et que je ne reviendrai jamais. Asma produit. Ok. Wojtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains, qu'un monstre l'a attirée dans les bois. Est-ce vrai? Oui. Nous chevauchions vers la rivière. Chevauchions. Soudain, ma mère a crié et s'est penchée, manquant de tomber de cheval. En m'approchant, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ses mains étaient en feu. Asma produit. Puis cette chose a surgi du sous-bois. Elle a rugi si fort que mon nez s'est mis à saigner. Je l'ai vu renverser des arbres. Jamais je n'ai eu si peur de ma vie. La créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans le bois. J'ai voulu faire demi-tour. C'est des mouchoirs. Chasse, hein, mais les chevaux paniquaient. J'ignore si elle a survécu. Désolé. Hein. Que comptez-vous faire? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote, je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis, des amis puissants. Ils m'aideront. Des amis? Qui sont-ils? Qui sont ces amis? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu éternel? Non. Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières et Dania. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre. Vous croyez au feu éternel? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. On a vite fait de se brûler. Et votre père? Qui? Oh, lui. Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Eh bien. Un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Oh, il y avait un post-it en dessous. Merde! Il y avait un post-it en dessous. Génial! Oh, trop bien! J'ai retrouvé mon post-it que je cherche depuis 100 ans. Incroyable. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières. Graden? Au service de sa royale majesté Radovid. Pour toi, Graden. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci. Mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Quelle belle âme. Un tueur à gages qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Faut que j'arrête. Où comptez-vous l'emmener? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. Avant que vous partiez, votre père m'a chargé de vous donner ça. Clara? Père vous a demandé de me donner Clara? Amusant qu'il ait cru me récupérer à l'aide d'un souvenir. Dites-lui qu'un beau geste ne rachète pas une enfance malheureuse. Adieu, sorceleur. Malgré tout, je vous sais gré de m'avoir laissé le choix. De ne pas m'avoir ramené de force auprès de ce tyran. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je l'espère également. Adieu et bonne chance. C'est beau. Niveau 5. Eh, ça vaut la coupe ça. Hein. 5. Ah, il s'appelle Bubule le chat. Bubule, c'est plutôt un nom de poisson, non? Chat, Bubule. C'est ridicule, enfin. Entrée de personnage mise à jour. Très bien, Bubule. Mes petites Bubules. Une pipe. De lettres mystérieuses. Jolie. Au nom de sa majesté Radovid V, roi de Redania, le porteur du présent document. Est autorisé à traverser sans encombre tous les barrages sur le Pontard. À vos souhaits. Jus de framboise. Oh, des fraises. Oh, c'est bien ça.
Si Bubu est dedans le chat. Ah, en fait, il m'a dit que le poisson qui a été gobé. D'accord. J'ai pas saisi. Hop, je lis. Allez, hop, je lis tout. Je lis tout, regarde. Bricole et débrouillardise. Ah, c'est super. C'est fermé. It is verrouillé. It is closed. It is very closed. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, merde. Oui, parce que non, en plein jour, là, il faut économiser. Souviens un colo. Économisons les bougies. C'est important. Voilà que je regarde un petit peu le chat. Et le chat, il est en train de bouffer la table, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a bouffé à côté de lui et il lèche la table, ce con. C'est un chat. Il y a des trucs là-haut. Tiens. Je te pille tes fleurs, le salopard. Je te pille tes glaïeuls. Hop là. C'est ouvert. Y a-t-il quelqu'un? Bonjour. De l'eau. Important. Ah, il y a plein de trucs là. Oh, une raviole. Une raviole dans un tiroir, t'es sérieux là? Bricole et débrouillardise, j'ai déjà lu. Ça freeze? Ouais, il y a des pertes d'image. Mais pas de ma faute. De vache. Ah, normalement ça frise plus là. C'est temporaire. 1983, images perdues. Voilà, super. Attends, j'ai repris sa poupée ou quoi? Je crois que j'ai repris sa poupée. Ah mais c'est candélabre, le candélabre. C'est honteux. Ah mais si vous avez pas de connexion qui tient aussi, moi j'y peux rien, hein, écoutez, hein. Ouais, c'est... De l'eau. Et de l'eau, puis le là-haut. Et le soleil blanc sur ta peau. La musique tombée du ciel sous l'étoile rouillée de Rio. Wow. Alors c'est bon, on a tout fait là. J'ai bien pillé sa baraque au mec. Ah non, j'ai pas fini de piller visiblement. Une louche qui ressemble à une pipe. Une louche qui ressemble à une louche. Cassons-nous. Barrons-nous. Hop là, calme-toi, GG. Oh là là. Alors, attendez, parce que là, je suis loin, je crois, de quête. Père de famille, c'est ça, hein. Suivez la piste. Les pistes récentes à Velen pour retrouver la femme du baron. Bah ben là, on y est, c'est ça. Suivez les pistes récentes pour retrouver la femme du baron. C'est par où? C'est là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors attends. Je suis prêt. C'est pas là-bas? C'est pas là? Ah, c'est par là? Ah, mais c'est là! T'es sérieux? Ah, affaire de famille. Parlez de Tamara au baron. Bah, en fait, c'est où Velen? Velen. Ça, c'est Père Chefreux. Comment il s'appelle le bled là? On a pas le nom des bleds? Sérieux? On peut pas afficher des trucs? Général. Quête. Exploration. Non. Marchand. General. Toots. General. Ah, c'est, si, c'est Velen, c'est marqué. J'y suis à Velen là. Ça. Hein. Moi je suis en 720p hein, et ça marche très bien. Donc j'ai envie de dire rafraîchissez vos pages. Alors. Donc là, je sais pas ce qu'il faut faire en fait, suivez les pistes restantes à Velen. Ouais, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je suis même pas où c'est, Velen. Je te dise, moi. Le casse, hein? J'ai utilisé ça.
Ah, il y a repère d'image là. 500 images perdues d'un coup là, bim. Ah, mais j'y peux rien. Dès que tu mets le 1080, ça saccade. Ah, putain, bah, moi ça saccade pas du tout. Ça a saccadé, ça a eu saccadé, mais là non, terminé. Tease Closed. Et un tailleur. Il y avait un truc de voyage rapide ici, me semble-t-il. Hein. Je ne dis point de bêtise, voilà, je le vois, il est là. Hop, hop, hop. Donc, je vais aller parler au baron. Voilà. Buffer, tout ça. Tout ça. Ah, regardez-moi, c'est ultra fluide. Je vais tenter un truc. Désactive l'aperçu. On va voir si ça améliore les choses. En tout cas, pour moi, c'est hyper fluide. Il a 7 ans. Il est sorti en 2015 de jeu. Il fait pas 7 ans, hein. Quelqu'un vole la nourriture des cochons. Le projet a été démarré en 2012, mais le jeu est sorti en 2015. Hein. Mais cela dit, c'est une question qu'on peut soulever. Est-ce qu'on considère que le jeu, justement, est de 2012 ou de 2015, vu que le projet a été démarré en 2012 Non, mais c'est une vraie question, ça. Il est sorti officiellement en 2015, mais... Ouais, jeu, il est. Ouais, on prend la date de sortie. On prend la date de sortie, tu sais. Hein. 20 ans, à peu près. Peu de choses. Ah, mon petit, je suis. Mon petit. Je pense qu'il faut monter là, à l'intérieur. Si, si, si. Siffle une mélodie. Ah, c'était pas sifflé ça, pardon, mais. Alors, monsieur le baron, j'ai des nouvelles concernant le Tarama. Petite patte à étaler sur un Toyost. Je vous écoute. Ça va être Tamara. Qu'avez-vous à me dire? Jouons au Gwent. J'ai donné votre cadeau à Tamara. Parce que je vous cartes. Comment a-t-elle réagi? Pas exactement comme vous l'espériez, je le crains. Elle a balancé la poupée. Balancé? Dieu. Dieu. Que le diable manque malgré tout. Oh. Des nouvelles d'Anna? Je n'ai toujours rien de probant, mais je suis sur sa piste. Dans ce cas, pourquoi restez-vous planté là? Retrouvez-la. Et parle-moi meilleur, mec. Hein. Défoncé, toi. Je me demande bien ce qui a pu vous pousser à conclure un accord avec les Nilfgaardiens. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Leur sauter sur le rable et mourir en héros? Oui. J'emmerde les héros. Et j'emmerde la mort. Ah. Mieux vaut vivre en traître. D'ici peu, personne ne s'en souviendra. Il n'y a plus de Temeria. Il n'y a plus rien à trahir. La garnison Nilfgaardienne locale semble assez faiblarde. Et alors? Les massacrer jusqu'au dernier ne feraient qu'en attirer d'autres. Les escadrons noirs auraient tôt fait de mettre la région en coupe réglée. Aussi sûr qu'on a tous un trou du cul. Non mais quel c'est charmant. Des sorcières à Vélène, ça vous dit quelque chose? N'écoute pas les ragots des paysans. Les petites gens voient des sorcières. Non, c'est pas Jean-Yann le baron, parce que Jean-Yann ne va jamais sur les routes départementales. Jamais. Je peux tenter de rejouer Gwent, mais comme j'ai un jeu de merde... Ah, il y a encore des pertes d'images, attention, mais malheureusement je n'y peux rien, hein. Je suis navré pour vous. Vous allez perdre les images et ça va saccader, mais je vais jouer au Gwent. Notre partie. Évidemment, sur YouTube, vous n'avez pas ce problème, bien parce sûr. Que YouTube, c'est enregistré en direct via la carte d'acquisition, donc il n'y a pas le problème de saccade de Twitch. Qui est relativement rare, hein. Précisons-le tout de même, donc si vous voulez passer nous voir sur Twitch, n'hésitez pas. Abattons quelques cartes. C'est Twitch qui bug, ouais, probablement. En fait, je suis bien avec ce deck là. Ça tient à 1080p, mais moi je tiens bien là aussi. Hein. Bien.
Et YouTube, du coup? Non, parce que t'as pas l'interaction avec le chat. Tu vois? Attends, faut que je vire une croûte, je vais virer lui. Yes, nice. Et je vais virer... Et je vais virer lui. Voilà, très bien, très bien. Très, très bien. Début de manche. C'est à moi de jouer? Ah, merde. Je vais jouer à un petit. Oh, salaud. Ah bah non, si, c'est bien, c'est bien. Ah, de toute façon, j'ai pas le choix, ils ont tous ces 5 là. Oula, hé. Hey. Escalé, monsieur, là. À moi, ah oui, à moi. Damn. Tiens, je vais t'aider, je vais te mettre un... Vagabond là, comment ça s'appelle? Un espion. Ouais, à moi. Très bien, à moi. Ah bah ça c'est les mêmes, ça on s'en fout en fait. Hein. Oui, non, ceux qui sont sur YouTube ne voient pas le chat de Twitch effectivement. C'est le principe de la rediffusion. Mais cela dit, ça n'empêche pas d'être courtois, hein, bien sûr. Ah, mais non, ça peut m'aider. Non, ça va pas m'aider du tout. Donc, je crois que je gagne quand même cette manche, ça serait bien. Donc, je vais faire ça. Oh, le chien? Non, le chat. 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 Ça devient costaud là, hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je mettrais pas ça en prime? Ah, je joue toutes mes cartes là. Hein. Ah, salaud, regarde-moi ça, le salaud. Oh, bah non, c'est mort, c'est mort, complètement mort. Ah, ouais, mais là, c'est foutu là, je suis foutu. Ouais, je suis foutu, mais c'est pas grave. Je passe mon tour. Ah, il a remporté la manche, mais c'est parce qu'il a triché. Tiens, une carte supplémentaire. Adversaire. Alors, voyons comment il va faire. Il fait ça. Et ben moi, je réplique avec ça. Adversaire a passé. C'est bien ça. Prenez une carte brouillard impénétrable dans votre jeu et je voulais... Non, brouillard... Ah ben non, mais c'est pas ça, on s'en fout du brouillard en fait. Damn. Bah, je suis obligé de passer là, non? Si égalité, ça fait quoi? Je regarde. Ah bah, défaite! Ah, c'est chiant. Vous n'êtes pas mauvais, mais vous avez encore des pro... Ouais, mais non, mais... Mais t'as triché, alors on va recommencer. J'avais oublié que j'avais la carte du roi là, du truc. Je réessaye vite fait, on réessaye. Après on repart sur les trucs normaux. Pour une partie de Gwent. J'aime bien le Gwent, c'est marrant. Abattons quelques cartes. Ah oh oui, abattons quelques cartes. Oh oui, oh oh oh. Ah merde, il m'en manque une là. Cheat. C'est quoi le leurre, ça fait quoi? Échanger cette carte avec une carte jouée pour la reprendre dans votre main. Ah, c'est pas mal ça, ouais. En prendre une, tiens. Hop. Tiens. En prends deux, sinon. En prends deux. Ah, mais non, il me faut des cartes d'unité. Ah, merde. J'en prends qu'une, et puis je vais mettre... Lui, il fait quoi, lui? Passer la carte près d'un autre portant le même nom. Doubler la force, monsieur. Oui. Et lui, il fait quoi? Ajoute un point à toutes les unités de la ligne, à l'exception d'elle-même. C'est bien, je prends ça. Allez, c'est parti. Alors, je peux me défausser là de qui? De quoi? Oh là là, ouais, je retire deux. Je vais virer ça. Ah, nickel. Et je vais virer ça. Ah, super. Oh, super. Je suis pas trop mal là. Hein.
pas beaucoup de météo, mais je suis pas mal. Je vais faire ça, bien sûr, évidemment, évidemment. Super, formidable. Voilà, super ça, très bien. Magnifique. Ah, oui, oh yes, merci de me donner des cartes. C'est bon ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire contre ça, hein, faut voir. Oh, le fumier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend trop de cartes, là, ça va pas du tout. Bon, je le laisse faire, hein, je le laisse faire, parce que là, je suis en train de... Merde. Je passe mon tour, J'ai envie de voir comment il opère. Ah ouais, quand même. Ah, il est chaud, lui, hein. Oh mais comment il met la misère. Ah Saligo. Ah ouais. Il a passé. Pourquoi il a fait ça? Moi je peux pas utiliser la compétence spéciale machin là. Comment je fais pour utiliser la compétence spéciale? Spatiale. Lui. Ah mais non, mais ça malheureusement non. Moi je gagne une manche, hein, mais j'ai plus que 6 cartes. J'ai plus que 6 cartes, dont 5. Ah! Voilà, j'ai tiré une carte supplémentaire, cool. Oh putain, c'est con, je viens de le bouffer. Oh merde. Aïe. Oh, je le sens mal, ça. Je le sens très mal. A plus, gars, il la bise. Non, c'est bon. Passe. Passe. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, là? C'est une vaste fumisterie, là. Comment je peux gagner avec si peu de cartes? Enfin, c'est incroyable. What the fuck? Ah oui, mais j'ai... ouais, d'accord. Bon bah, ça ne sert à rien, mais je le fais quand même. Hein. Il est en train de me mettre une misère, là. Il me met une race complète. Me met une minasse morgule, comme on dit. J'aurais pas dû utiliser le gel, là. Merde. Bon, ça. Bon, ben voilà, j'ai plus de cartes, et j'ai forcément perdu. C'est bon. L'adversaire, il va passer, mais évidemment, il va passer. Et bon. Je ferais bien encore du jeu de cartes, mais ça va être chiant pour vous, donc on va passer... On va retourner sur le jeu. Vous n'êtes pas mauvais, mais vous... Ouais, ta gueule. Suivez les pistes restantes à Velen pour retrouver la femme du baron. Alors, Velen, c'est où? Je sais toujours pas où c'est. Hein. C'est là où j'étais, je crois. C'est là où j'étais, en fait. Velen. Donc, faut que je reparte ici, tac. Ah oui, c'est ça, oui. C'est où? C'est par là? Non, c'est pas là. Je sais plus où c'est. C'est là-bas. Pour combattre le mal par le mal. Non, c'est où? Tu es perdu. T'arrêtes pas de la vodka. Où est-ce que c'est, ce bordel? C'est quoi? Par là? C'est par là, c'est là. C'est bon, j'ai trouvé. Le butage. Je vais vous dire où il est. Les copains se le sont partagés depuis longtemps, le butage. Hé les gars, si on allait s'occuper de la gueule... VOD démonétisé, pourquoi? De toute façon, je n'ai pas accès à la monétisation des vidéos sur YouTube. Je n'ai pas 1000 abonnés. je ne peux pas l'activer. Je pense que ça rapporte. C'est le nom de la région dans laquelle tu te trouves. Ah oui, bah alors ouais. Ok, merci Spa. C'est bien ce qui me semblait, hein, parce que je regarde sur la carte, effectivement, je vois Velen, là. Velen, terre désolée. Et là aussi, c'est Velen.
Alors je vais où pour trouver les indices là? Pas de... C'est grand hein. Dis pas où je dois aller. Moi j'aurais dit plutôt par là en fait hein, et genre parler aux gens. Ouais, l'aubergiste et tout. Tu peux me téléporter là? Non. Bah en fait si je peux pas continuer, je vais faire une autre quête hein. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il me dit là sur le côté, voyons. Mais le baron, quand il a accompli, interrompt son récit au moment le plus crucial, on a annoncé qu'il avait, on l'a vu. Cavalcade. Ouais, bah non, mais j'ai rien d'autre, moi. Suivez les pistes restantes à Violaine. Dis pas où c'est, donc moi je vais faire ça en attendant. Hein. Je te disais. Trouvez la sorcière par vos propres moyens ou demandez aux habitants de Aubreuil. Alors Aubreuil, Aubreuil. Aubreuil, c'est là. Voilà. Ça, ça c'est bien. Là on me dit où il faut aller. Aubreuil. Salut Jed. Suis tes quêtes secondaires pour accéder à la principale. Les quêtes secondaires comptent dans l'histoire. Tiens. Bon, je vais faire celle-là, attends, oui. C'est un bon, le même problème. Ah, ok. Hein. Il y a pire. Hier, il a mais oui, mais attends. Ah, mais du coup, tu me donnes envie de regarder. Oh, mec se plaint. Parce que cœur sauvage. Parler aux chasseurs. Course. Oh. Défenseur de la forêt. C'est les hôtels, on s'en fout. À la limite, je pourrais parler aux chasseurs. Alors, je vais faire la sorcière, là, je vais. La sorcière. Brave, bien fait, triste. Non, ne me dites pas ce qu'il faut faire. Tant pis si je galère, hein, c'est pas grave. Ah mais non, je peux pas me TP là. Ouais non, il faut que je prenne le cheval. Ils ont voulu se frotter à un sorceleur. Où est-ce qu'il sort? Comment je le saurais? Non mais la sorcière, en plus, je veux le faire depuis le début parce qu'elle est niveau 5 et je suis niveau 5. Va par là, va par là. Tu accélères ou pas? Comment ça se passe? Doucement. Pourquoi il veut pas galoper? Il veut plus galoper. Incroyable cette histoire. Mon cheval ne veut plus galoper. Et ben on n'est pas rendu Marcel hein. Il veut pas galoper ce con. Oui, deux fois là pourtant. Trop lourd. Ah non, ça y est, là il veut bien là. On va comprendre. Ah non, c'est rien, je croyais que c'était un hôtel, mais pas du tout. Ah, là il veut bien là. On sait pas pourquoi il veut bien. Avant il voulait pas. Pas si vite, bête. Plus vite. Pas si vite, Popiette. Il y a bien. Ouais. Pour foncer dans les gens, là il y a du monde. Hein. Ah ouais, ça je peux te dire. Elle dit qu'il s'agit de trotter en liberté, voilà, il n'y a plus personne. Ah mais pourquoi ils sont méchants les gens comme ça? Moi j'ai rien fait moi. Ils me suivent ou pas? Te retourne pas, te retourne pas. Ah si, tu peux te retourner sur la tienne avec le pilote auto. Ils sont pas là. Ils sont plus là. Bon, on y arrive, on y arrive, on y arrive. La sorcière, je vais demander aux gens. Aux petites gens. Allez. Ah mais il y a un panneau. Bien, au marqueur. Alors. Ouais, je sais faire ça. Panneau d'affichage. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu fais ça? Mais t'es malade. Ce type est malade. Je vais discuter avec qui là? Avec un garçon. Non. Ah, je te connais toi. T'es le mec de la dernière fois. C'est le monsieur de la dernière fois? Ouais, je te connais. Ou alors tu as un jumeau. Jean-Gabriel, méfiez-vous des ruelles. Armement ouais. Automatique, tenu à une main. Tirez le premier pour avoir le dernier mot. Ok.
me fabriquer quelque chose. Je voudrais que vous me fabriquiez. Je voudrais que vous me fabriquiez tout court. Non, j'aurais dû le laisser finir sa phrase. Ouais, non, mais je veux pas. Je regarderai son ton voyons staff, ce que vous avez en contre, ouais. Ce que tu vends. Pas mal, ça, non? Plus 21, armure légère. Plus 26, pourquoi je peux pas le prendre, ça? Niveau requis, 6. Ah, merde. Dommage. Ça, ça fait plus 21, c'est pas mal, hein. Ça, c'est quoi? Kit de réparation de... Ouais, c'est bien. Plus 14 aussi, j'aime bien ça, hein. Ça coûte combien? 171, c'est pas donné, c'est pas donné. Plus 21, et ça, ça fait quoi? Plus 26. Jacques de Kedwen, mais j'ai pas déjà, ça. Je l'avais déjà. Attends, je ne comprends pas, je ne comprends plus rien. Si je l'ai, je le porte là, je le porte actuellement. Adieu. Ah, te faire foutre. si je veux faire les DLC, Jade, oui, j'ai pris l'édition GOTY en ce sens. Alors, je garantis pas que je réussisse à caser tout cet été. Mais je vais essayer d'en faire un maximum. Sinon, au pire, je finirai cet hiver. Parce qu'après, il y a plein de jeux qui vont sortir là. Mais on va en bouffer pendant longtemps, hein, du Witcher. Et The Witcher. The Witcher 3. Oh my god. Eh ben, en fait, ça, je pourrais le vendre. Hein. Non, c'est bien ce que je pensais. Même pas les autres tenues, du coup, tu es celle de base. Bon, moi, je pense qu'il protège le plus, tant pis pour l'apparence. Tant pis s'il a l'air ridicule. Ou bien avoir un petit peu de. Dérision. Merde. Hop, je saute, t'as vu, je saute sur ta forge et tu me brises le pied avec ton marteau. Le type est fou. Alors. J'ai pas besoin d'une sortie. S'en fout. Ah, c'est là, je vois l'objectif. Si, c'est madame. Je devrais le renvoyer chez la sorcière. C'est pas naturel d'être aussi feignant. C'est une vanne du pied. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche la sorcière. Plus de point and click? Ah bah si, mais c'est pareil, il faut que je les case. Hein. Je peux pas faire ça, plus ça. Mais... C'est compliqué, hein, Lolo. Hein. Les journées sont courtes. J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver? Moi, la sorcière, je m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. C'est pas la question. Savoir l'autre si tu sais où elle est. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chique. Ah. On a des bouches à nourrir pourtant. C'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. Ok. Il a plus d'oreille gauche. Les gens parlent aussi dans... Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Mais il est malade, ce type. Ce type est malade, tu n'as absolument rien fait en plus. J'ai eu un morceau de pain aujourd'hui. Et toi? Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça? Votre femme. Merde, on dit. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. Hein? On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. Pourquoi tu mens? Nécessite persuasion niveau 1? Mais attends. Vous avez du travail. Attends. Je vous laisse. Persuasion niveau 1. Je vais te dire, persuasion niveau 1, ça va se faire assez facile. Hein. Là-dedans. Persuasion. Allez. Je peux en prendre un, non j'ai... Ouais, j'ai un point dispo, regarde. Donc, persuasion niveau 1. On peut pas le prendre? Acquérir, c'est X. Voilà, persuasion niveau 1. Hop, je le mets là. J'ai pas le choix. Et là, il est beau. Voilà. Persuasion niveau 1. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit que je ne sais rien sur cette sorcière. Ah, regarde, je peux. Bien sûr que je peux. Ah. Vous êtes sûr? Réfléchissez bien. Vous êtes du genre têtu, vous. D'accord, d'accord. Vous voyez l'étang, près du village? Il y a un petit chemin pas loin. Vous suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes dans votre genre ne font pas de sentiments, mais... ne lui faites pas de mal.
On verra. Ça, dans mon genre. Ben, les chasseurs de sorcières. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Ah, tant mieux, messire, tant mieux. Cette coupe. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses. Franchement, avoir des cheveux et en faire et ça, pardon. Elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'aime les criquets. Alors, trouver la mare près du village. Bon. Donc, ce sera notre objectif la prochaine fois. Qu'on va faire, non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça, voilà. Objectif la prochaine fois. On va couper cette VOD, qui est la 6ème, on passe à la 7ème très bientôt. YouTube, oublie pas, pouce, truc. Qu'est-ce que je veux dire? Tu passes ta clé, la souris au-dessus, tac, tu vas t'abonner. Vous, désolé, faut que j'arrête avec le tuto, bon, hein, c'est pas bien. Et à très vite pour une prochaine VOD, bien sûr. A plus.